Pensée du jour numéro 5. Enfant, nous nous sommes souvent entendus dire « Tu ne dois pas. Ne fais pas ça. Ne fais pas de désordre. Ne mets pas tes chaussures ici. Ne manque pas le bus, etc. » Les négations et les interdictions n'en finissaient pas. Que de « Ne fais pas ci, ne fais pas ça. » Devenus adultes, comment nous parlons-nous? Voici un exercice intéressant que je vous propose de faire. Prenez la décision, chaque jour, pendant une semaine, de vous parler sans utiliser les mots « ne pas ». Toutes vos phrases doivent se faire sans recourir à la négation « ne pas ». Au début, vous devrez beaucoup vous concentrer. Au bout de quelques semaines, vous rajouterez peut-être un autre moment comme celui-ci. Puis, vous allez peu à peu étendre la durée. Et peu à peu, vous vous sentirez mieux. Bien entendu, il n'est pas mauvais ou interdit d'utiliser le « ne pas ». Ce que je veux dire, c'est que des choses merveilleuses commencent à se produire en vous et autour de vous lorsque vous économisez ces mots et lorsque vous cherchez d'autres formes d'expression. Et en plus, ça peut être amusant. Vous allez y parvenir de mieux en mieux. Faites-en l'expérience.